Yo tout le monde les gars, c'est le DT Lucas dans cette toute nouvelle vidéo les gens. Aujourd'hui on va faire un nouveau défi sur Fortnite les gars. On va essayer de faire top 1 en utilisant pas de fusil à pompe pour les gars. Donc j'ai le droit à toutes les armes mais pas de fusil à pompe. Donc ça va être un défi assez compliqué étant donné que je suis un joueur qui joue beaucoup le fusil à pompe les gars. Mais bref, on va essayer de se rabattre sur les PM du coup pour faire ce petit défi les gars. Mais je pense vraiment il y a moyen de le faire. Le dernier défi que j'avais fait les gars, c'était le défi sans shield, faire top 1 sans shield. Ça c'était vraiment compliqué parce que le shield c'est vraiment très important sur Fortnite. Mais le fusil à pompe, en vrai les gars, on peut s'en passer hein. Franchement ça va être pas être, voilà, c'est pas non plus l'arme du siècle. On va se faire un petit spawn, alors du coup je voulais aller à la vichita, mais vu que c'est en début de bus, on va essayer d'éviter. On va plutôt aller se faire un petit spawn à Snooty Stips les gars. Je sais pas si ça se dit comme ça mais bref. Ok les gars, let's go aller à du coup la ville que j'ai dit, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a l'air d'avoir, putain il y a beaucoup de monde hein. Il y a beaucoup de monde les gars. Ouais, je mets le monde qui a, ça va être chaud. Surtout que la ville là je la connais pas trop non plus. Donc ok, la petite maison là je la sens bien les gars. Faut juste faire gaffe à pas se faire. Voilà. Ok, let's go la PM. Oh let's go les gars, PM et la grenade là. Les grenades là elles sont vraiment trop fortes, c'est vraiment abusé par contre. Il y a pas beaucoup de monde qui les joue mais pourtant elles sont vraiment trop fortes. Alors on va se mettre le petit shield. Et en plus on va spawn avec une PM les gars. Franchement là on a de la chance sur le spawn. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur les bots. Let's go là une AK. Je suis content parce que je pensais que j'allais mourir dès les spawns. Mais finalement on arrive à survivre. Hop. Alors au niveau du médaillon on ira essayer de le chercher après. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a du monde dedans. Ok, ce qu'on peut faire c'est aller directement chercher le médaillon. Et ramasser mettre les gars qui sont en train de se fight aussi hein. Let's go, on a récupéré encore des grenades. Bon les gars, c'est abusé, je trouve pas un seul fusil à pompe hein. Donc du coup tant mieux pour nous, on va pas se plaindre. Mais wesh, qu'est-ce qu'il fait là le boss? Les gars, je pense que c'est une mauvaise idée de jouer le boss hein. Wesh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Wesh. Wesh les gars, wesh. Les gars, il y avait deux joueurs sur nous. J'ai perdu la cam, mais c'est pas, en vrai c'est pas grave d'avoir perdu la cam. Il y a du monde les gars, on va recharger nos PM. Je suis content parce que j'ai eu la PM là aussi qui est super forte les gars. Let's go les gars. Oh let's go les gars, j'ai cru que j'allais mourir. Il nous reste seulement 38 PV. Let's go. Alors putain, il y a un mec qui vient de tuer le boss. Fait chier. Go tuer le joueur qui a tué le boss. Putain les gars, là j'ai bien joué là. Vous avez vu comment les grenades sont trop fortes par contre les gars, c'est abusé. On va faire rien parce qu'il a un pompe légendaire du coup le petit frérot là. Regardez-le. Fils de pute non. Non wesh. Ouais, j'ai commencé à les balles à travers ce mur. What? Non. Ok les gars, on est parti pour une nouvelle game les gars. On va essayer de faire mieux que l'autre. Et je pense que cette fois-ci on va plutôt partir sur un spawn plutôt safe. Parce que les gars, c'est compliqué quoi. Oh, on peut tenter la... Mais non les gars, clairement les gars, on va aller à cette ville là. Classique route. Les gars, c'est ma ville où je spawn quand je fais de la ranked et tout les gars. Cette ville, elle est incroyable. Les gars, il n'y a pas trop de monde qui se manouille dans cette ville là. Il y a toujours 2-3 gars qui viennent avec vous. Généralement, il faut tout de suite rush dans cette ville. À chaque fois qu'il y a des mecs, je rush direct. Les gars, ils sont directement en train de se fight. Les gars, on va aller ramasser maintenant direct. Une fois que le shield ennemi, c'est parti. On y va, les gars. Je vous avoue, je le sens pas trop bien ce plan là. Le gars, il est dans la maison. Ok, crack, les gars. Mort, let's go les gars, mort. Ok, donc c'est ce que je vous ai dit dans ce spawn, les gars. Faut tout de suite rush dès le début. Et après, vous êtes tranquille. Putain, en plus, les gars, le mec il nous donne une sacrée PM bleue là. Ça fait plaisir. Et un petit compreneur aussi, les gars, on va pas cracher dessus. Allez hop. Wesh, qu'est-ce qu'il fait là, le frérot? Wesh, les gars, un screamer. Un screamer. Oh là, en plus, les gars, il avait une putain de scar bleu, tout simplement. Okay, les gars, il y a une pompe qui est juste là. Vous la voyez, je me dis, est-ce qu'on va la rush, les gars, ou est-ce qu'on... Allez, les gars, on y va, c'est parti. Ok, les gars, il a pas l'air d'être dégueu, le mec. Wesh! What? Oh, les dégâts que je l'ai mis. Non. Les gars, faut pas le laisser s'enfuir. Ça a bien, wesh, il en a combien?
Ouais, le gars il me l'aurait mise par contre. Mais le gars, mais c'est aberrant, qu'est-ce qu'il fait là, le gars? On est combien là? On est 30. Wesh! Non, les balles de sim que j'ai fait prendre, c'est pas mieux. Allez. Les gars, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce défi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. On n'aura pas fait top 1. Et on se retrouvera à une prochaine vidéo, les gens. Voilà. Au revoir.